Ça va ou quoi? T'as dit quoi la zone? Ouais les gars, 30 minutes, 30 minutes de retard. Mais en vrai, on n'était pas en retard. En vrai, on était à l'heure. Mais on s'est rendu en retard sans faire exprès. Sans faire exprès, les mecs. On était en train de discuter un peu. Parce que les gars, aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'était pas ça le programme. On a dû changer en dernière minute. Parce que on devait faire un live concept. Mais il y avait un professionnel qui devait venir. Oui, je vais vous expliquer, c'est on devait faire un live avec un psychologue. Malheureusement, le psychologue, il a dû annuler la fin d'après-midi. Malheureusement, donc on a fait un peu à la va-vite. C'est pour ça que j'ai mis l'affiche au dernier moment. Normalement, demain, ça devrait le faire. Normalement, il devrait être là demain. Donc voilà. C'est quoi le truc que JP a à la bouche? C'est des bâtons de réglisse. C'est pour avec du goût. JP souci wok. Non, c'est un bâton de réglisse pour éviter de fumer. T'as des trous dans la main. Mais ce que je viens de regarder là. Il m'a trop mis un gros coton de je crois. Parce que là je l'ai pas et là je l'ai sur ce Là, point. T'as vu? Mais j'ai jamais eu ça de ma vie. bon, là t'as un trou. Je viens de remarquer. Mais t'as un trou de fou, genre. Non, mais regarde, bon, là t'as un trou de fou. Non mais je crois que c'est la luminosité genre. Non, non, Si si regarde c'est la luminosité. mais je te dis que t'as un trou. Enfin, regarde parce que si tu me mets comme ça, ils voient aussi non? non, t'as pas Un trou, regard genre. trou de. Là, t'as pas trou. Rien gris frère. Je suis en train de perdre ma barbe ou quoi? Je suis de l'alopécie ou quoi? Merci pour le sub, merci pour le sub. Les gars, aussi, tous ceux qui sont bannes de Kick, on a mis en place, enfin, Kirona a mis en place un Discord. Donc voilà, il a mis le lien dans le Discord Radio Libre. C'est un Discord qui est fait que pour les débans. Dès que vous rentrez dans le Discord, vous pouvez faire un ticket, vous mettez votre pseudo, il va checker l'historique, les messages que vous avez mis, et en fonction de ce que vous avez mis, il vous débannera. Donc voilà. Ça c'est bon. Ce mec est un soumis de... Bien évidemment, comme vous le dites dans le chat. Hier, t'as dit que t'étais soumis. C'est ton nouveau surnom. T'es un soumis. On n'a pas oublié. Et ceux qui sont bannes dans le radio livre. Oui, ça aussi, on va checker ça, vous inquiétez pas. Le bruit Discord, je vais l'enlever tout de suite. JP, concentre-toi sur tes objectifs. N'écoute pas les autres. Continue. Marche avant. Arrête de fumer. Arrête de fumer. De mentir. Fais une transformation physique. Mental, t'es sur la bonne voie, sois fort. Petit message positif. Fort. T'es fort? C'est bien, c'est bien. C'est vrai que t'es fort. Non plus. Bref, donc du coup, petit live improvisé. Gwen, les gars, c'est rien de spam. Gwen, à chaque fois, Gwen ne sera pas sur tous les lives, les gars. Gwen ne sera pas sur tous les lives. Gwen, il a une vie de famille, il a une fille, il a une femme. Gwen, il est là quand on a besoin de lui, quand on fait des concepts. Donc. Rien de spam. En vrai, hyper dur d'arrêter la com. Non, ça va. Vous avez laissé. Non, c'est bon, t'inquiète. On va le retirer. T'as pas vu ma story? Non. En Mon fait, copain qui il a fait. pris un gros café. Au caca. Et en gros, quand il a bu, il avait plein de chocolat. Il a pas vu ici. Et je l'ai laissé un peu marcher avec un peu de chocolat. Moi, les gars, je vous explique sur TikTok. Je like toutes les vidéos que je vois sur nous. Je like. On bat les. Bonne ou mauvaise, je like à chaque fois. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est qui? Ah, il est fou, Qui? Kim. Il fait quoi? Regarde. Comment ça tu payes pour des retards? Ah les gars, oh, les retards comme. Je sais pas comment expliquer. Vous savez très bien qu'on va toujours lancer vers 21h, 21h10. Vous le savez très bien les gars. La musique au début c'est l'intro, le temps que tout le monde vienne. C'est pour pas que les gens y loupent. Quand on lance trop vite, vous avez compris? C'est-à-dire là, vous avez le temps de vous poser. C'est un peu la file d'attente, genre en mode comme un film. C'est le moment où tu te poses au cinéma et il y a un peu les pubs, tu vois. Je pense que ça. 30 minutes. Ouais, 30 minutes, des fois, c'est trop, c'est vrai. Wesh, vous êtes grave. Wesh! Vous êtes grave en colère. Québec! Quoi? Elle est aux toilettes? Non, même pas, justement, pas, il était pas aux toilettes. Aujourd'hui, il n'est pas aux toilettes. Aujourd'hui, les gars, JP a décidé d'un peu se reprendre en main. Il m'a dit, ouais, viens, on sort, je vais acheter des vêtements. Il a acheté des vêtements qu'il n'a pas mis, du coup. Pas aujourd'hui. Par contre, on peut toujours voir qu'il y a l'horrible et puant pull Assassin's Creed qui est derrière. Assassin crade. Assassin's Creed qui est derrière. Voilà. Il ne goûtera point le goût d'une machine à laver avant de longues journées. De long périple. De long périple. Il est pas loin. Il est pas sur lui, mais il est pas loin. Bon, les gars, aujourd'hui. Regarde, il y a un truc.
Il y a un truc qui a écrit ici. Ouais, à l'intérieur. Ah ouais. The sacrifice. Ah, dit, tout sacrifice. Tu prends jamais, tu te laisses abattre comme ça. Oui. Tu prends jamais la parole. Prendre la parole. Tu leur laisses dire des trucs comme ça, tu les laisses dire. Mmh. Tu sais, toi, t'as de la chance. Les gars, vous savez qu'il a une chance de dingue, c'est que le textile ne peut point parler. Je pense que si le textile pouvait parler, je pense que tu serais mort. Tu fais quoi, là? J'essaie de le régler. En fait, il est sale. JP est beaucoup plus bien... Ah, c'est dans le... salam, vous trois. Salam, tout le monde. On l'entend pas. Ouais, parle plus fort. Attendez, je vais monter le son. Non, c'est bon, le son, il est haut, là, ouais. Je vais jouer avec ta mère, gros. C'est bon, garde les... Rien. T'as dit, va jouer avec ta mère. Naruto, Kachu, Kachu. Bref, les gars, radio anecdote. En gros, vous montez, vous nous racontez des anecdotes. Est-ce que t'es là, Ilan? Je sais qu'il y a un mec qui s'appelle Ilan, il avait une anecdote de fou à nous raconter. Mais je sais pas s'il est là. Attendez, je vais quand même récupérer le lien, je vais vous l'envoyer. T'as combien de clés sur ton porte-clés, frère? Hein? Montre. Mais comment ça se fait? T'as la porte du local en bas, la porte de ta chambre. Comment tu peux avoir autant de clés? T'as autant de clés? T'as trois portes. Pourquoi t'as autant de clés? Non mais dis-nous c'est quoi, un par un. Vas-y, dis-nous les clés, c'est quoi? Attendez, attendez. Attends, il y a un dent, attends. Vas-y, vas-y, dis les clés un par un. Là, c'est la porte en bas. Ouais. Vas-y. Taille. Ouais. Parle plus fort, parle plus le fort. Portail, ouais. Voilà. Le portail. Parle plus fort. Ah, t'es en train de Ne mets pas ton poing. Ne mets pas ton poing. Ne mets pas ton poing. Je t'ai dit, parle plus fort pour les gens. Ne mets pas ton poing. Et bah la prochaine fois je le retire, parle plus fort sinon je le retire. De quoi? Vas-y le portail. Bah tu vas retirer le pull, tu vois. Et bah parle plus fort, on est en live frère, parle, on n'entend rien, tout le monde dit on n'entend rien, parle plus fort. Vous l'entendez là oui ou non? Ça c'est la boîte. Non t'en as sauté plein là. Ilan, tu m'as dit deux clés, t'en as sauté 8. Okirona, récupère le Discord de Ilan. La porte, s'il te plaît. La porte du studio. Ok, la porte, quel studio? Ok d'accord, vas-y quoi d'autre? Quel studio? Le truc de stream là, avec la régie et tout. Ouais, ok. Ça, c'est mes clés de ma chambre. T'as trois clés de ta chambre. Trois clés de ta chambre. Tu vas m'en donner une. Non. Ici. Non. Ici. Non. Ici. Non. Je veux un double du clé. Non, mais de ta chambre, le reste. Le reste, c'est quoi? Je veux un... Le reste, c'est quoi? Je vais faire attention, je vais surveiller. Imagine, tu fumes des clopes en cachet dans ta chambre. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est quoi? Ou imagine, tu. Pas de double. Imagine, le reste, c'est quoi? Sur plus de bancs. Le reste, c'est quoi? Après, c'est la clé. Il y a une porte ou c'est. Non, non, non. Il ment. Mais je veux un double. Non, pas d'un. Je veux. Les gars, j'ai droit à un double de. Non, t'as pas le droit à un double. Si, si, bien évidemment. Non, et si. Je suis obligé de surveiller. Si, si. T'auras pas de double. Ton addiction à la. Ton addiction non, à la clope. T'auras pas de double. C'est tout point final. Si, si. Je vais surveiller un peu ce que tu fais dans ta chambre. Si, si. Déjà, c'est un bordel. Je suis entré dans ta chambre tout à l'heure. Là, j'ai jamais vu ça. C'est ma chambre. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Heureusement que Nina voit pas ça. Quoi? Je pense qu'elle. Je pense qu'elle. T'as pas un message aujourd'hui avec elle? Non, pas encore. Salut Owen, salut Safine, salut Gros Pormanov, bon live. Je vous aime et Safine GG pour le combat de boxe hier, cœur, cœur. Joe, il disait, t'imagines aujourd'hui, il a pas parlé une seule fois avec Nina. Il a envoyé des messages, elle a pas répondu de toute la journée. Alors? Elle a pas répondu? De toute la journée, elle a pas répondu. De toute la journée, quoi? Elle travaille 24h sur 24? Elle travaille de 8h à 17h. Il est 21h26. Mais tu crois qu'elle fait ce bâton, frère? Il est 21h26. Oh non, c'est une dinguerie. Il est 21h26. Hein. Et alors? À Aix, il n'y a pas un décalage horaire, il fait 21h26 aussi là-bas. Hein? Au cas où. Enfin, peut-être quand t'as pris pour un Golemont, t'as dit qu'il y a un petit décalage horaire de 5h et toi, vu que t'es un trou, t'as sûrement dit. Ah, ferme. Voilà. Ok. Ah, ça y est, maintenant, vous êtes tous avec le téléphone. Ouais. Tu sais ce que je suis en train de faire, le c*** de ta mère? Je suis en train de dire aux autres de nous ramener à boire. Au moins t'as de quoi boire lui aussi et moi aussi j'ai besoin d'une Red Bull là, j'ai besoin de me lâcher parce que là je vais me vénère. Donc que t'as le double de ma clé de ta chambre, ça veut dire qu'il y a plus de. Je ne commence pas le live tant qu'il n'y a pas le double de ta chambre. Les gars, c'est normal que je mérite le double de sa chambre. C'est normal ou pas? Je suis ton beau-père, premièrement. Quoi? Force. Ça tombe bien, je m'entraîne plus depuis longtemps. Donc je sais pas comment je peux te motiver. Ok. Alors. Elle travaille de quelle heure à quelle heure? 8h17. 8h17, il est 21h27. Elle a mis une story il y a 13 minutes où elle mangeait avec. Bon! Avec un mec? Ouais. Avec son frère. Ok, attends, elle mange avec un mec. Oh la tête de ma mère! Attends, laisse-moi finir! Oh la... Oui, attends, laisse-moi finir! Attends, comment tu sais que c'est son frère? Laisse-moi finir. Il a un gros biceps, son frère. Laisse-moi finir. Moi, je l'ai vu, son frère, c'est un petit. Laisse-moi finir. Bref, vas-y, attends, regardez. Regardez, il y a 13 minutes, elle a mis la story.
Elle est directement au message. Oh, elle m'envoie un message. Elle m'a écrit comme par hasard. Oui, ma race. Elle lui a répondu. Là, regarde. Ah, en fait, elle répond. Il n'y a pas de décalage horaire. Non, c'est parce qu'on s'est inquiété. T'as pas donné de nouvelles AJP de la journée. Et voilà, le pauvre, il est pas bien. Voilà, on s'est inquiété, nous. Toute la journée, il t'a envoyé des messages. Il m'a dit sur ton téléphone, sur Instagram et tout. Et il a pas eu une seule réponse. Envoyé un message. Voilà. Arrête de mentir. Envoyé un message. Sur son téléphone et un message sur Instagram. Ça fait deux messages. Alors ment pas. Ce matin, sur le téléphone, parce qu'elle m'a envoyé un message. Et en tout cas, elle ouvre mes messages instantanément. Alors. Ouais, c'est bien, c'est mais bien. Mais demandez, c'est qui le mec avec elle? Le couteau dans la plaie. Il n'y a pas de couteau. Ouais, t'abuses. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de plaie. C'est bien, c'est bien. Oh, t'es resté longtemps sur le. Ah, elle m'a dit, je peux pas écouter, j'écoute dans quelques instants. Je dis, ah, parce que t'es un mec. Voilà, tête de. Parce que t'es avec. Moi, je peux te poser une question. Est-ce que tu es sûr à 100% que la personne avec qui elle est en train de manger, c'est son frère? J'en sais rien, je m'en fous complètement, gros. Bah non, je t'en fous pas. Voilà, là je demande, t'inquiète, je demande. Je dis, ah, mais parce que t'es avec un mec, j'ai vu ta story. J'ai vu ta story. J'espère que c'est JP. Après, lui, il a raison. En même temps, ils sont juste potes. Elle a le droit de manger avec un mec et de se faire défourailler le cul juste après. Attends, je peux finir? J'espère que le mec avec qui tu manges, c'est JP. Lol. Genre là, c'est toi. Non, mais les gars, elle lui doit rien du tout, mais vous avez oublié, vous êtes complètement fou. Elle est pas du tout en couple avec lui, et en plus, elle aura même droit de le après dans les toilettes. Niquez vos morts, là. Niquez bien vos morts ce soir. C'était dingue, frère. Et le chat, vous êtes des respectez. Vous êtes trop des malades. Après, les gars, vous emballez pas, à tout moment, c'est JP qui mange avec elle. Mais JP, je comprends pas, c'est pas ta meuf, elle a complètement le droit d'aller au restaurant. Manger avec un mec et elle aura même le droit de manger. Son... Alors, moi j'ai le droit de parler avec une meuf, elle a pas besoin de faire du cinéma. Ouais, il s'en prend à elle. J'ai le droit de faire ce que je veux, ouais, on est pas en temps. On est amis. Apparemment, on est amis. Ouais, il s'en prend à elle. Quoi? J'ai le droit de faire ce que je veux. Ouais, il s'en prend à elle. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Non, par contre, toi t'abuses. Et alors, elle est juste en train de manger un repas avec un mec. Peut-être qu'après, pour le dessert, elle mangera sa. Attends, est-ce que tu viens d'avouer en quelque sorte que tu parles à d'autres meufs et qu'elle a absolument. Ouh, je parle de l'autre. Mais t'as dit, je parle avec d'autres meufs. La dernière fois, j'avais dit, ouais, tu vois ta remarque, l'historique. Pourquoi il se met dans la. Mais pourquoi il se met dans la. Comme c'est toi, tu viens de dire ça. La dernière fois, l'historique que j'ai regardé, que j'ai simplement regardé, c'était qui, celle qui streamait, ça râlait. À tout moment, c'est son frère et là, tu vas juste de te mettre dans la. C'est son frère, c'est bien. Non, je pense pas que c'est son frère. Elle m'a dit, j'ai rien à te cacher, je te montre si tu veux. Ouais. J'ai quoi boire. T'as pris Red Bull? Ouais, c'est bon. Biscuit. Moi, ça finit. Oui. Red Bull. Ah, vous êtes pas y allé encore? Ils vont, ils sont sur la route. Red Bull. Prends la carte. Prends mon portefeuille. C'est bon, j'aurais donné des sous. C'est bon, t'as un mensonge. Red Bull, moi. Ah. Ouais. Non, Coca, c'est pour JP. Ah, Coca, c'est pour JP. Ouais. Et toi, ça fait du quoi? Red Bull. Red Bull, normal. Non, je veux de l'eau. Avec elle m'a dit, je lui ai dit, j'ai rien à te cacher. J'ai dit, c'est qui? C'est ton frère? Elle m'a dit oui. JP, d'accord. Quoi? Lui, il a une bonne question. C'est vrai, JP, ça te fait. Est-ce que. Ça, elle a le droit d'aller manger avec un autre mec que toi? Oui ou non? Sachant que vous n'êtes pas en couple. Est-ce que toi, si c'est pas son frère, demain, elle va manger avec un autre mec? Ça te dérange? Ouais. En quoi ça te dérange? Je sais pas. Pourquoi ça se fait pas? On peut savoir pourquoi ça se fait pas? En sachant que vous êtes simplement amis? Je sais pas. Pourquoi alors? Si moi j'ai simplement amis, pourquoi la dame? Ha ha ha! Elle est bonne celle-là, on la connaît tous, le fameux frère qu'elle va finir par s'y après le repas. Pourquoi ils arrêtent? Moi je me casse, Jack. Là tu peux pas te casser, wesh, on est en plein âge, mon frère. Tu vas nous laisser dans la merde de partir? Je m'en bats les couilles. Tu restes au moins avec nous? Mon frère, oui, oui. Bah oui, ils sont sceptiques. Mais MDR, d'où son frère? T'es fou ou quoi? Elle mange son repas et après elle mangera sa grosse. Bon, les modos, banné. Moi, je vais ban tous, mon. Banné. On va banner. Les gars, calmez-vous là. Banné. Regarde, je t'enlève la menace. Arrête. T'as pas le droit de jurer. Arrête.
Mais les gars, oh mais non, arrête de me taper, fils de... Ne fais pas de menace, j'ai pas envie de la prendre. Banné. Bon, là, j'ai pas oublié la double de ta chambre. Ta mère, t'auras pas double de ma chambre. T'auras aucun droit d'avoir le double de ma chambre. Pourquoi tu jures? Mais c'est pour... Regarde. C'est même pas la peine. Mais frère, on t'a direct de jurer. Me touche même pas. Tu vas faire point contre moi. Me touche même pas. C'est pas bien de jurer. Me touche même pas. Mais c'est pas bien. Le mec de Nina, il a fait un don. Salut, ça, le mot vileux de JP, c'est moi le mec. Sur la story de Nina, j'aurais bien la défoncer pensant à toi ce soir. T'es cuit, tu vas aller voir ma capote après que je la retourne. Non, y'a rien. Vas-y. Ah oui, les gars, j'ai oublié de vous dire. Je sais que en ce moment, JP, ces derniers lives, il sortait beaucoup. Vous avez été nombreux à me le reprocher en mode ouais, il fait que sortir, c'est un scandale, c'est un manque de respect, etc. Du coup, on a fait la. Voilà, on a fait la avec okay. Safine. Maintenant, on ne laisse plus personne passer à travers la porte. Bon, bah, les couilles. En gros, il est payé pour rester sur le live. Je m'en bats. En gros, il a un peu pris en otage. Et moi, à chaque fois que je surveille la porte, j'ai une prime. Attendez, chut, tiens donc. Mais c'est pas un malheur, ça fait plus d'une semaine. Un malheur, on dirait avec quelqu'un de ta famille, il est mort. Et Anina, elle est juste en train de manger un petit repas avec un mec qui va sûrement la. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Ça va. Oh, arrête. Je t'envoie des coups dans la gueule. Non, vas-y, le live, il a même pas commencé, ça le problème. On veut faire un live posé où on discute avec les gens. Malheureusement, on peut pas. Pourquoi? Parce que la misère actuelle de JP. Regardez. Il a pris ses médicaments de nicotine. Oh, pas bien. Nina mange une autre côte et l'adverse en face va finir entre ses jambes. Nina mange une autre côte et l'adverse en face finit entre ses. Entre ses jambes. Nina mange une autre côte et l'adversaire en face finit entre ses jambes. Arrête. Une autre côte. Bonjour, une autre côte ou une autre jambe? Ah, une petite ta mère, arrête. Une autre jambe. Une autre jambe. Alors, s'il vous plaît, je voudrais. De Nina. Désolé, elle est plus sur la carte, elle est déjà occupée. Ah, alors je voudrais bien une lèvre moulante. Oui, vous pouvez. Mais frappe pas le mur, gros. Frappe pas le mur, gros. C'est pas du plat, tu t'es fait mal, on l'a vu. T'as pas le mur, gros. Bonjour, ça que désirez-vous? Allez, assieds-vous. Que désirez-vous? Oui. Je voudrais un nichon de Nina sur son lit de. Sur son lit de. À point ou saignant? Avec un peu de... D'Halib. C'est faisable. Je sais pas parler thaïlandais. Allez. Quoi? Allez, viens t'asseoir, Safine, allez, viens. Non, mais si je viens, Non, mais Sipé, viens t'asseoir, s'il te plaît, vas-y. C'est bon, on arrête, on reprend le live. Non, là, on doit faire monter des gens et tout, allez. Mais si, t'as envie, t'as pas le choix, en fait. Oh. Vas-y, s'il te plaît, Sipé, viens t'asseoir, parce que... Double oh. Vas-y, si tu t'assois, on arrête de parler de Nina, on banne tous ceux qui parlent de Nina, vas-y, viens. Vas-y, allez, viens. Salut. Vas-y, viens. T'as dit quoi? Allô, j'irai manger avec ma soeur. Pas grave. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Attends, t'as dit quoi? J'irai manger avec ta soeur? Bah, avec ma soeur. Bah, on oui. S'en fout. Mais alors, il est où le problème? Je sais pourquoi. Wesh, elle a parce qu'il... Non, parce qu'il est consanguin, il croit que tout le monde est comme lui. Non, nous, on bat nos soeurs. Y'a que toi. Elle va rien faire avec son frère. Elle vient du sud, elle vient pas du même endroit que toi. Non, mais c'est pour ça, on n'avait pas compris. On n'est pas consanguin. En fait, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Elle mangeait quoi? Donne-moi, et je vais te dire. Donne-moi les plats. Est-ce qu'il y a le plat de l'homme aussi sur la photo? Arrêtez les gars, arrêtez. Vas-y, donne-moi le plat. Donne-moi le plat. Alors, pâtes. À quoi? Est-ce qu'il y a un assaisonnement? Oui. Qui mange des pâtes? Les deux. Oh non. Les deux mangent des pâtes. Des pâtes, elles sont. C'est quoi des penées? Des... Non, c'est les pâtes longues là. Pas les spaghettis, ceux qui sont longues, on dirait des lacets un peu. Des fusilli? Ouais, peut-être, je sais pas. Mais ils sont vla longues. Tagliatelle. Ouais, je crois que c'est ça. Avec des petits morceaux de poulet.
Moi aussi. Petit morceau de poulet. Le mec en face, pareil. Ils ont pris le même plat. Ouais, ils ont le même plat, sauf qu'elle, elle a un truc blanc au-dessus. Non. On dirait une genre de burrata, je sais pas. Oh, c'est bon, ça veut tout dire. Une mozzarella, je sais pas c'est quoi qu'il y a en haut. Mais genre, il y a que elle qui l'a et lui, il l'a pas. Ok, c'est bon, je sais ce qui va se passer. Et il y a 3 morceaux de pain. Ça veut dire qu'il y en a, ils vont en manger qu'un. Non, je sais ce que ça veut dire. Je sais. Ça ne mange pas de pain, ça veut dire. Et ça veut dire que. On est sur une. Avec une éjuque. Et ce soir. Non, mais c'est vraiment vrai. Hein. Il y a vraiment un truc blanc sur son assiette. Je sais pas ce que c'est. Voilà. C'est terminé. En fait, je t'explique comment ça fonctionne. Deux pattes, c'est-à-dire fusion. Même plat, c'est-à-dire relation. Il y aura de. Tagliatelle, c'est plutôt. Et la burrata veut dire. T'as compris quoi? Dedans. Mais ça se met pas une burrata sur des pâtes. Attends, on va lui poser la question. C'est quoi le truc blanc sur ton assiette? C'est bon, vas-y, allez, vas-y, détends-toi. Ok, ta mère, moi. Vas-y. Ta mère. Ok, on peut passer à la suite. À la radio. Mais j'ai pas oublié, il faut que tu me donnes le double des clés de ta chambre. La radio va commencer, les boys. Attendez, j'ai réglé. C'est bon, réglé. Ok. Qui va manger avec son frère à 21h? C'est vrai que c'est bizarre. Mais par contre, tu t'es mis à participer. Parce que si elle est vraiment avec son frère, parce que déjà, tu t'es énervé, t'as dit que t'allais parler avec des filles pour rien te reprocher. Et deuxièmement, t'as dit, eh ben moi aussi, je vais aller manger avec ma soeur. C'est alors. Du parmesan, mais non, les gars. Et je sais ce que c'est du parmesan, ça c'était pas du parmesan. C'est mais ça se met, les gars, une burrata sur des pâtes. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais. Salut, c'est toi le fameux Ilan? C'est ça, désolé si la qualité a pu sa mère. Ça va le faire. Du coup, apparemment, toi, t'as une histoire de à nous raconter. Ouais, c'est vrai que j'ai une petite histoire un peu mouvementée. Une anecdote. J'espère que je peux te la reconnaître. Attends deux secondes, Ilan. Elle a dit quoi? Montre. Non, il va s'énerver. Vas-y, mais montre. Ouais, il va s'énerver. S'il te plaît. Montre-moi au moins. Il va pas s'énerver si tu montres à moi. Elle a dit que c'était cause quoi? C'était ton. Alors, je peux pas te dire. Ouais, bien sûr. Ouais. Écoute, elle a dit c'était toi, mon petit Safi. Non, attends. Moi, je vais te le dire. Calme-toi. Tu vas être choqué de ce que je vais te dire. Tu sais ce qu'elle a mis sur ses pattes? De la burrata. De la burrata. Il est en panique. C'est seulement de la burrata, t'inquiète. Il est en panique, ouais, il respire mal et tout. Elle a juste dit burrata, t'inquiète. Ilan! Tu sais que je suis sûr. Ouais. C'est quoi? C'est une nicotine, ça fait 2 cachets que j'ai déjà pris. Une nicotine. J'ai au maximum de la nicotine. Mais 203, j'ai jamais 203. Attends, 2 secondes parce que je vais lui répondre. Qu'est-ce qu'on en a à que tu sois à ton max de nicotine? Comment ça, il est au max de nicotine, il doit pas en avoir. Correct. Il s'est mis à prendre des médicaments de nicotine. Et ça veut dire quoi? Je sais pas, moi je connais pas, frère. Il est allé à la pharmacie, il a dit, en ce moment j'ai trop envie de fumer, il me faut ma dose. Et il lui a donné des médicaments de nicotine. Mais en gros, il prend de la nicotine. Et pourquoi il doit pas prendre ça? Bah si. Bah non, il prend de la nicotine. Il va faire une il va faire une overdose de nicotine. Quoi? Ah, c'est vrai, vous êtes médecin. Je veux pas aller loin là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Mais c'est pas bon. Mais pourquoi c'est pas bon? Eh frère, on t'envoie des 50 euros, des 100 euros. Tu remercies même pas. Y'a que Naruto et puis Safine qui remercient. Toi, t'es là, t'es sur ta chaise, frère. Tu bouges pas, frère, tu parles pas. Frère, si t'es aigri, donne ta place à quelqu'un d'autre, cousin. Clairement. C'est pas à toi que je vais donner ma place. Attends, il a dit quoi? Je prends exactement. Il a dit 80... quoi? Attends, prends 99% du chat. Et pourquoi 99% et non pas 100%? Parce qu'à la win, il peut pas se battre. Tous les personnes qui sont sur le chat, ils te cassent tous. Il y en a pas un, ils te cassent pas. C'est bon? Voilà. Donc évite de faire le fou avec des gens qui sont là. Le fou avec des gens qui sont dehors et qui marchent à peine genre la win. Ouais. Parle mal que à Nina quand tu t'énerves comme la dernière fois. Insulte Nina et tout, mais n'insulte pas les gens. Car moi, même Nina, je serais de carton. Attends, maintenant je veux. C'est quoi? Non, les gars, c'est. Même la win, en vrai, ça se joue. C'est vrai, il doit pas prendre de nicotine dans ce bordel. Non, il fume pas en vrai, non? Ah bah, j'y connais c'est rien. Pareil, il prend de la nicotine, donc il est. Pareil.
Est-ce que t'as dit au médecin, j'ai fait le laser? Le plus dangereux dans la cigarette, c'est pas la nicotine, c'est le goudron. C'est tous les substituts qui sont après la nicotine. Non, mais justement, en fait, la nicotine, c'est ça qui te donne l'addiction de fumer. Ah non, ouais. Tu veux m'apprendre? J'ai fumé dans ta vie? Je me suis renseigné, mon père il fume. Donc la nicotine, c'est ce qui te donne de l'action. Quoi? Ça te donne envie. Je de veux fumer. Pas les mots là! Ouais, okay, d'accord, rien à mais... mais lui, tout ce qui. Attends. Oh, non, ça finit qu'on n'est rien. Bah, va te renseigner, ta mère la p. Lui, l'accro, nicotine. C'est addictif, caféine, nicotine. Cocaïne, le coca. Tout ce qui est en in, de toute façon, il est accro, frère. On peut plus rien faire. Ce mec, il aime tout ce qui est je en veux in. Pas les mots, là. Tiens, et regarde, elle m'a dit quoi, ta copine? Ouais. T'as raison, Safine. Donc, si tu prends de la nicotine, en gros, ça sert à rien, le laser. Prends des bonbons de nicotine. Pas en train d'enlever c'est ton vrai addiction. Ce qu'il dit, la t'es raison. Pas en train d'enlever ton addiction. Parce que le laser. Le laser, non, pas tout le temps. Il a raison, mais je viens de comprendre, mais pourquoi j'ai pas réfléchi avant. Le laser, ouais. Il t'enlève ton seuil de plaisir. Merci. Mais du coup. Vu que tu prends des cachets de nicotine. Non, ça augmente. Ça augmente ton seuil de plaisir et ton seuil de nicotine. Non. Mais si. Moi, j'ai une meilleure idée, moi. Pourquoi il mange pas les clopes au lieu de les fumer? Eh, va niquer ta mère, toi. Vas-y, je vais envoyer un. T'as le numéro de la femme là? Si t'as fait le laser, demain on l'appelle. On va lui demander. Ça se peut, t'as pas le droit de prendre ça. Nicotine, bah ouais, c'est de la nicotine. Nicotine. Pareil. Je crois que le médicament, ça, il allait s'appeler nicotine. Oui, il a tout. Pas non plus. Ah oui, il a des chewing-gums, c'est Nicorette. Il a des Nicorette, il a des Nixzobé. Il a tout ce qui est en in. Il se démonte. Tu lui as dit c'est de la nicotine, il t'a dit non, c'est 4,1 mg. Mais 4, c'est 4,1 mg. Mais c'est pas grave, ça passe. Mais c'est surtout le pharmacien, le teubé. Mais tu as dit au pharmacien que t'as fait le laser, ouais. Et il t'a donné ça normal. Ouais, c'est mon frère qui a parlé. Hein. Moi j'ai pas parlé à ma pharmacien. Non. C'est énorme. Ah, oui, 4,1. Oui. 4 mg. C'est beaucoup. Ouais. Non, je crois que c'est rien. Mais dans tous les cas, il doit pas en prendre justement. Parce que le laser il est fait pour lui enlever l'addiction de la nicotine. Allez, vas-y, j'ai rien compris. Il y a 3 grammes dans une clope apparemment. Eh vas-y, je comprends rien, vos bails de cigarettes, arrête de fumer, ferme ta gueule, prends ce que tu veux, prends de la nicotine, prends même des gouttes dans ta gorge. Ouais, ouais, du moment où il n'y a pas une clope qui rentre dans ton bec, ça, ouais, c'est bon, ça me va. Ouais, Ilan, vas-y, on t'écoute. Bah attends, faut qu'il passe son téléphone, ouais. Parce que sinon ouais, je vais péter un câble. Regarde un truc. Vas-y, attends, j'essaie de prendre en vif, pas prendre 10 heures. Ouais, juste attends, qu'il passe son téléphone, là, il regarde un truc pour la nicotine. Combien il y a de nicotine dans une clope? Allez, vas-y. Dis-nous. Combien il y a de nicotine dans une clope? Tu veux toujours avoir raison. Alors, on écoute. Attends, il réécrit. Parce que. Les lance, les en plus que des fautes d'orthographe. Google, il doit péter un câble avec toi. Owen, entre 3 et 6 grammes de nicotine, convient entre 10 et 20 clopes? Du coup, c'était quoi la réponse? Ouais. Je peux regarder. Ouais, d'accord, ouais. Moi, il a vu qu'il a eu tort, du coup, il a fait genre, il a pas regardé. Vas-y, c'est bon. S'il vous plaît, attentivement, on va écouter l'histoire parce que apparemment c'est une histoire de dingue et j'ai envie de l'écouter. Vas-y, ça fait. Non, mais je veux que tu sois à fond dessus aussi. Vas-y. Ok, attends 2 secondes. C'est bon? Attends 2 secondes. Vas-y. Ah, mais vas-y, là, tu fais des trop longues recherches. Vas-y, on s'en bat les couilles. Qu'il arrive, regarde sa gueule. Non, on dirait un chewing-gum Nicorette. Vas-y, on écoute ton histoire. C'est bon? Ouais. Bah, déjà, ça commence il y a deux ans. Il y a deux attends, ans. Attends, je peux juste me permettre de dire un truc juste avant, je te coupe. Ah, mais ça veut dire que c'est pas bon là, les trucs qu'il prend. Ah, en fait, je vais tout enlever en fait. Vas-y, bah, en fait, ça date d'il y a deux ans. Avant, j'étais un vrai petit chétan. Je sortais, j'allais en boîte, je faisais n'importe quoi de ma vie. Ouais. Et il s'avère que dans la boîte, il y avait une fille. Cette fille-là, c'est une petite chienne, hein, désolé, du moins une petite chienne. Waouh, t'as le droit. Qui demandait beaucoup de zizi dans la bouche. Waouh. Du coup, bah, étant donné qu'elle en voulait, bah, on lui en donnait, sauf que en sortie de boîte et tout, on n'était pas tout seul à lui en donner. On la prenait à deux, on lui faisait des trucs de ouf, elle réclamait des trucs de ouf, des autres pétrolières, tu vois. Ah ouais, non, et, c'est une dinguerie, frère. Ouais, je sais, désolé pour les enfants du chat, mais... Et s'avère que du jour au lendemain, cette fille, je ne l'ai plus du tout vue. Ça fait 2 ans que je ne l'avais pas vue. Et j'ai des vidéos d'elle et tout quand je fais les choses avec elle et tout. Et il y a 2 mois, mon cousin il habite à Bichevillers. Je sais pas si vous connaissez, c'est à côté de Strasbourg, tu vois. Et moi, j'habite. Tu donnes pas trop d'infos. Ouais, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Et moi j'habite à 1h30 au sud de Paris, tu vois. Ouais. Et il s'avère que c'était le halal de le fiançailles de mon cousin.
Non. Jusqu'à Strasbourg. Si. Si, si. Non. Si, si. Non. Impossible. Si, si. Non. Et du coup, bah, je fais 5h30 de route pour aller j'ai là-bas. J'ai pas envie de continuer ton histoire. Vous avez déjà la réponse. Ne me dis pas, ne me dis pas qu'il a fait son halal avec cette meuf. Ouais. Non. Frère, je te jure, je suis rentré dans la pièce, elle avait le voile. Écoute, écoute. Je suis rentré dans la pièce, elle avait le voile rouge, je l'ai pas du tout reconnu. Je l'ai pas du tout reconnu. Et moi, dis-toi, je suis là, j'arrive sur, devant elle, je mets les bracelets en or et tout. Je la reconnais pas encore. Hein. Et c'est là, quand mon cousin, il enlève le voile rouge de sa tête, qu'il l'embrasse sur le front, je fais... Je suis parti. Elle t'a reconnu ? Dis-moi qu'elle t'a reconnu. Et bien sûr qu'elle m'a reconnu. Et bien sûr qu'elle m'a reconnu. Mais c'est pas ton cousin, il le sait ? Non, justement, en fait, le problème, c'est que personne le sait. Et je sais pas si je dois lui dire que c'est... Et je sais pas si je alors, dois lui attends, dire que... Alors, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu n'as besoin de rien dire, frérot. T'as tout fait ce soir. Tu t'as dit l'endroit. T'as dit qui ah bon, tu étais. Là, c'est grand. Laisse-moi t'inquiète. Finir. T'as dit que c'était ton cousin. T'as dit qu'elle avait un voile rouge. T'as dit. T'as dit quoi encore ? Ouais, non, c'est bon, t'as besoin de rien savoir. C'est bon, ton cousin, il va voir la rediff. Salut, cousin. Bon, je donne mon adresse alors là, je rigole. Non, impossible. Mon cousin, il a 24, 25 et c'est mort. Mais faut lui dire, Non, mais est-ce que. En fait... Attends, moi je vais te poser une question. Au moins, on peut commencer on peut continuer la discussion. Est-ce que ton cousin, il pense que c'est une fille bien ou il sait que c'était un peu une folle ? Non, non, il sait pas, parce qu'en fait, tu sais, ils habitent loin. Après, les gars, ça se peut, c'est repentier. Ouais, je sais il pas. Il a quand même une vidéo. Oui, oui, je m'attends, attends. Il a quand même une vidéo et tout, mais... Ok, non, moi, je suis entièrement d'accord, le repentier, etc. Mais frérot, moi, demain, je rencontre une meuf, je me fais mon halal avec, et mon cousin, il a une vidéo en train de se faire... Moi, je veux qu'il me le dise. Je m'en bats les couilles, c'est repentier. Si tout le quartier, ils ont une vidéo d'elle en train de la faire... Moi j'ai pas envie de me marier avec. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre, c'est dur à dire. Mais la vérité, wesh. En fait, j'aurais rien fait, moi je lui ai dit. Bah attends, parce que JP il parle. Maintenant, tu allez, tu te maries avec Nina. Et t'apprends que Nina elle a suivi tes frères et ils ont tous une vidéo d'elle en train de la démonter. Plein de collègues à toi. Ça finit la bête, ça fait tchouper et tout. Tu te maries avec elle et personne te le dit. Tout le monde te rigole au nez dans ton dos. Toi tu le sais pas. T'es le seul qui le sait pas et tout le monde sait qu'elle a tourné. Ça te fait rien. J'avais envoyé des photos à Gwen. Ouais, mais toi, t'es un soumis, frère. C'est un soumis. C'est pas moi qui vais la juger. C'est pas à moi de la juger. Mais non, c'est pas à moi de juger la personne. Tu partages ta vie avec une menteuse. Mais toi, t'es un soumis, frère. J'ai oublié. Je pense qu'elle a pu. Je sais pas. Oui, c'est pas à toi de juger la personne. Frérot, je t'explique. C'est bien. Moi, j'aurais été lui. J'aurais été voir son cousin. J'aurais dit cousin, je sais que c'est ton mariage, c'est ton L. Viens, viens, j'ai un truc à te dire. Dans quoi ? Ton mariage ? Dans quoi ? Non, LL, je sais pas comment. Dis le proche. Vas-y. Ils sont pas encore mariés. Ils sont fiancés. Ouais, mais. Attends, on va pas avancer tant qu'il n'arrive pas. Bah, dis-moi comment tu dis ? Vas-y, dis-le déjà. LL ! Ok. LL. LL ? Ouais, LL. Ha. Ha. LL. Non, arrête d'hurler. Ha. LL. Voilà, vas-y. Non, LL. Bon, vous avez compris ? J'aurais dit. Y'a quoi? Moi je juge pas la personne, mais voilà, j'ai appris en information que. Ok, mais moi je veux l'avis du chat. Le chat, même s'il y a repentir ou pas, une telle situation. Je peux pas lui dire. Vous pensez qu'il doit le dire ou non? Je peux pas. Franchement, j'aurais rien. Pas nous de juger. Elle s'est peut-être repentie. On n'est pas en train de juger. Non, mais c'est pas de juger. Non, mais... C'est que le mari, il a besoin de savoir. Après, faut. Est-ce qu'il après, est-ce qu'il s'aime est-ce que même si lui. Même s'il le sait, peut-être il le sait déjà. Je sais pas, moi je te mens peut-être pas. Peut-être lui il le sait. Tu sais pas ce qu'il peut. Moi je te mens pas, moi personnellement, s'il m'arrive un truc comme ça, j'ai besoin de le savoir. J'ai besoin de le savoir. Ah, mais il est plus fort que moi, si je lui dis, la vérité, il va me dire. En tous les cas, je suis mort moi. Mais non, mais si c'est que c'est un trou du c'est qu'il a rien compris à la vie, je suis désolé. Jamais, je vais pas lui dire. Non, mais. Ça part trop loin, je crois. Ouais, c'est vraiment, Non, mais tu sais que c'est une vraie, c'est une dinguerie. En vrai, c'est pas de ta faute, en vrai, c'est. Ça va forcément se savoir un jour. Mais ça, quand ça va savoir, c'est trop tard. Imagine, il la met enceinte et tout. Il y en a un, c'est un gros fils de. Tu fais du chantage à ta belle-sœur. Wesh, mais wesh. Il y en a, vous êtes des psychopathes, frère.
Mais non, j'ai fait genre, je la connaissais pas, je l'ai même pas regardé dans les yeux. Et quand, vous avez pas discuté, vous. T'es fou, mais t'es fou, jamais de la vie. Elle est même pas venue, elle est même pas venue te dire s'il te plaît, ne dis rien et tout. Rien du tout, ça a duré. Attends, c'est à quelle heure? Je suis arrivé là-bas vers 15h, je suis reparti, de devait être 21h. J'ai même pas envoyé un message à mon cousin, rien du tout. Vas-y, et... beaucoup plus de détails, t'inquiète. Ouais. Peut-être regarde ton cousin, peut-être il nous regarde. T'inquiète. Faut que j'aille la descente. Je suis dans le jardin des îles, Emily veut me. Oh, mais c'est embêtant. Là, je suis trop indécis, j'ai le nuage en jour.